Aujourd'hui, live, ça veut dire quoi? Faire une demande à l'univers. Alors, Aline, elle sait déjà, puisqu'elle a fait le parcours des saisons et qu'on a travaillé ça. Alors déjà, pour celles qui ne savent pas et qui découvrent le truc pour la première fois, moi je dis l'univers. Ça peut être les anges, la vie, Dieu. Vous mettez ce que vous voulez derrière comme terme, ce qui vous parle. D'accord? L'univers, ça reste relativement neutre d'un point de vue religieux. Et ça fonctionne aussi bien. Pour ma part, j'ai commencé il y a très longtemps, je faisais les demandes aux anges. Les premiers trucs, c'était les places de stationnement. Ça fonctionne super bien quand on arrive en ville. Bon, les anges, on doit aller à tel endroit. Si vous pouvez nous trouver une place, ce serait super cool. Et en général, on trouvait toujours une place proche de l'endroit où on devait aller. Sauf une fois, la place, elle était plus loin, mais en fait, elle était devant un magasin dans lequel j'avais une course à faire, mais j'avais complètement oublié. Je dis, ah ouais, trop cool. En plus, vous me faites penser à ce truc-là auquel je n'avais pas pensé. Voilà, donc l'univers, déjà, c'est ça. C'est la vie, Dieu, les anges. On met le nom que l'on veut. En fait, c'est ce principe, c'est de s'autoriser à accepter qu'il y ait quelque chose autour de nous qui n'est pas forcément visible, qui n'est pas palpable, qui n'est pas matériel, concret, mais avec lequel on va interagir. D'accord? C'est s'autoriser à avoir une certaine foi en autre chose. Et ne pas être centré sur soi. Je suis toute seule à pouvoir agir sur les choses. Je suis la seule à avoir 100% de la responsabilité. Oui, il y a une partie, bien sûr. Mais il y a aussi les événements de la vie. Il y a aussi ce qui nous arrive. Tout ce qu'on peut traverser au quotidien. Et donc, quand on ouvre sa conscience à cette possibilité-là, eh ben on peut commencer à jouer avec l'univers. Parce que l'univers, il aime jouer. La nature, elle aime jouer. Elle aime la joie, elle aime le plaisir, elle aime voir des gens qui sont heureux. Bonjour Anna, bienvenue. Elle aime voir les gens heureux. Et on n'est pas là sur Terre pour souffrir. Alors ça peut être certaines croyances dans certaines religions que il faut souffrir, il faut endurer, il faut porter la croix, etc. Enfin, c'est hyper lourd pour pouvoir en profiter au paradis. Bah, désolé, mais on est humain, on est sur Terre. Alors, si on peut en profiter sur Terre, c'est quand même aussi pas mal du tout, de mon point de vue. Voilà, donc là, moi, j'expose mes croyances, il n'y a aucun souci là-dessus. Il y en a, s'ils ne sont pas d'accord, bah, c'est OK. Après, ils ne sont pas obligés de me suivre. Et ça me va bien comme ça. D'accord? Donc, c'est vraiment s'ouvrir à la possibilité qu'il y ait la possibilité que on ait des réponses, on ait des choses qui nous arrivent dans notre vie par un autre moyen. Alors d'autres vont l'appeler le hasard, et c'est ok, d'accord, chacun met le nom qu'il veut là-dessus. Et donc partant de là, eh ben, comme ces histoires de places de stationnement que je demandais aux anges et sur lesquelles ben, on avait des réponses. Alors, ce qui est important, c'est quand on demande quelque chose, ben, il faut être clair sur ce que l'on demande. L'avantage avec l'univers, c'est que ben, des fois, on peut ne pas être complètement clair et on va avoir des réponses et on va avoir des événements dans notre vie qui vont arriver. Donc, plus on va être clair, alors, dans sa tête, dans la formulation, mais aussi dans son cœur. Il faut savoir que notre cœur a un rayonnement au niveau champ magnétique qui est beaucoup plus puissant que le cerveau. D'accord? Ces choses-là, je vous le dis, mais ce n'est pas moi qui ai inventé ce truc-là, c'est Greg Braden. D'accord? Je vous mets le nom en commentaire, vous pourrez aller voir. Greg Braden, je crois que c'est comme ça que ça s'écrit avec 2D, je ne suis pas sûre, à vérifier. Greg Braden, c'est quelqu'un qui est scientifique à un haut niveau, mais qui est aussi un éternel étudiant et un chercheur sur l'impact sur tout ce qu'on appelle la physique quantique. Et justement, avec d'autres personnes, ils ont beaucoup travaillé là-dessus pour vérifier la puissance de rayonnement
magnétique du cerveau, donc les pensées, parce qu'il y a des études qui ont été faites, ils ont mis des électrodes, je sais que sur le Dalai Lama, par exemple, les personnes qui font énormément de méditation, Mathieu Ricard a expérimenté ces choses-là, mettre des électrodes pour voir comment fonctionne le cerveau quand il est en état méditatif et qu'est-ce que ça produit finalement comme rayonnement. Donc il y a des choses qui ont été mesurées, qui ont été quantifiées, et au niveau du cœur, pareil, et le rayonnement du cœur est beaucoup plus puissant que le rayonnement d'un cerveau. D'où l'importance, quand on fait une demande à l'univers, de ne pas l'avoir juste dans la tête, mais de la rayonner dans le cœur. Mais on fait comment pour rayonner le truc dans le cœur? Eh bien, on va le ressentir. Et c'est pour ça qu'une demande à l'univers, on ne va pas la faire juste dans la tête. En premier lieu, on va le faire dans la tête parce que nous avons été formatés, on a vu ça l'autre jour, justement, dans une soirée, dans une masterclass. Au niveau de l'Occident, on a été formaté pour réfléchir avec sa tête. D'accord? Tout petit, on arrive à l'école, on apprend à faire fonctionner sa tête. On coupe les émotions. Hier, j'en ai parlé. Voilà, non, on ne va pas se connecter aux émotions, on va se connecter à la pensée, c'est ce qui est valorisé. On apprend très rapidement à faire du calcul mental. Bah oui, mais on n'a pas le droit d'utiliser ses doigts, sauf que en kinésiologie, on sait que si on fait fonctionner ses doigts, on fait fonctionner sa tête et donc c'est beaucoup plus rapide. Et il y a justement des techniques de calcul qui ont été mises en place pour les enfants où ils calculent, ils font des gestes avec les mains et c'est juste impressionnant. Ils calculent avec leurs doigts et du coup ils trouvent mais des résultats d'opérations qui sont vachement compliquées en faisant fonctionner leurs doigts. D'accord? C'est pour dire, on a été programmé, on a été formaté pour fonctionner avec notre tête, mais ce qui fonctionne, surtout, ce sont des émotions. D'où l'importance, évidemment, de reconnecter à ces émotions, ces ressentis. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Et c'est pas évident, quand on a été très formaté avec sa tête, d'aller reconnecter avec son corps. Ça peut être compliqué parce que du coup, il y a des douleurs qui reviennent. Il y a des sensations qui peuvent ne pas être très agréables. Donc tout ça, c'est un travail qui se fait pas à pas pour reconnecter avec son cœur. Et pour faire une demande à l'univers, eh ben, on va connecter avec son cœur, avec son ressenti. C'est pour ça qu'on va souvent plus facilement fonctionner avec des images, avec des sensations. Et on va pouvoir faire une demande à l'univers avec nos sensations. C'est-à-dire, bah, par exemple, waouh, ouais, quand je vivrais, voilà, si je vis ce truc-là, comment je me sens? Et on va, Aline, elle l'a expérimenté hein, dans les saisons, on va s'immerger dans cette sensation, on va s'amuser à jouer complètement le rôle en ressentant dans toutes nos cellules. Comment est-ce que c'est cette chose que j'ai envie de vivre? Je la vis maintenant en imaginant, en rêvant. Donc pour Anna, par exemple, eh ben, voilà, qui a envie de se marier, qui nous a partagé ses belles photos et ses superbes tenues qui sont de coutume dans les mariages en Algérie, ben voilà, tu peux t'amuser à vibrer, tu t'imagines déjà dans ta robe, comment tu la ressens, comment elle est sur ta peau, est-ce que c'est doux, est-ce que y a des trucs qui piquent ou pas. Donc en général, on n'aime pas les trucs qui piquent, donc on va sentir quelque chose qui est hyper doux. On va sentir est-ce qu'il y a des bruits, est-ce que toutes les perles, est-ce que toutes les. Tout ce qui est brodé sur la robe, est-ce que ça fait du bruit? Est-ce que ça fait du bruit quand tu te déplaces? Voilà, c'est toutes ces choses-là qui peuvent être imaginées. Donc évidemment, c'est pour ça que bah, ce que je propose, c'est pas possible pour les personnes qui ont des problèmes d'ultrasensibilité et d'impossibilité de connecter à une visualisation qui sont dans le présent, parce que c'est comme ça que je vais accompagner les personnes à réaliser leurs rêves en les accompagnant à ce qu'elles se plongent littéralement dans les ressentis. Magnifique. Bah ben voilà, amuse-toi, Anna, à faire ça. Voilà, c'est des choses,
Ça coûte absolument rien, mais ça rapporte gros. Ça rapporte gros parce que c'est comme ça que j'ai fait. Il y a tout plein de choses que j'ai réalisées dans ma vie, justement par ces jeux de ressenti. Oh, j'imagine, ce serait trop cool. Je me souviens quand je voulais un jardinier dans mon jardin, c'était 3600 mètres carrés de jardin et c'était. Ça devenait ingérable toute seule, quoi. Même avec mes filles. Enfin, je veux dire, on n'avait pas taillé un côté, que ça repoussait de l'autre. Et que, pff, voilà. Et puis, bon, quand j'ai récupéré la maison qui était en friche, enfin, le jardin en friche totale, bah, voilà, une des premières choses, c'était de visualiser mon jardin avec un jardinier. Et bah, c'est à ce moment-là que j'ai pu, que l'univers a pu m'amener des copains qui étaient OK de venir jardiner. Et j'ai en tête une photo que j'avais mise sur mon tableau de rêve. Donc c'est important évidemment de se faire un tableau avec des images qui nous fassent vraiment vibrer à l'intérieur. Et là, je suis en train de réaménager mon bureau et j'ai ramené justement des images et je vais en refaire d'autres. De vibrer vraiment les choses. Je me souviens, j'avais mis une photo sur ce tableau et je me suis amusée parce que quelques semaines après, je vois la photo, je regarde par la fenêtre de ma cuisine, et là, j'avais l'image similaire de celle que j'avais faite. Et là, c'était en vrai, j'avais un pote qui avait la tenue de jardinier, une espèce de grande combinaison de travail verte, et il était en train de jardiner, voilà, de me donner un coup de main, et j'étais venue à la maison pour récupérer des verres d'eau. Je passe devant la fenêtre et je vois cette image, je dis waouh! Merci l'univers, voilà, j'ai ce que j'ai demandé. Voilà. Donc c'est ça, faire les demandes à l'univers, c'est travailler ces choses-là. Et voilà, donc celle qui m'a posé la question hier va pouvoir avoir les réponses. Et ça se fait au fur et à mesure. On commence toujours par des petites demandes, par des choses où c'est pas compliqué, donc les histoires de places de stationnement, ça peut être aussi tout plein de choses, des trucs pas compliqués, d'accord? Et je me souviens d'une copine qui me parlait des cours de catéchisme qu'elle faisait. Elle me dit, oh, tu te rends compte, les enfants, ils n'apprennent pas à discuter avec les anges et tout. Et quelque temps avant, elle m'avait dit qu'elle avait perdu son écharpe de portage, et je lui dis, mais. T'as demandé aux anges de te la retrouver? Elle me dit, bah non. Bah, je dis, attends, tu dis que les enfants ne savent pas discuter avec les anges, tu es en train de leur apprendre et toi, tu vas pas demander. Ouais, ok, d'accord, j'ai compris. Bon, elle a fait sa demande parce qu'elle était en train de déménager des pièces de sa maison et le lendemain, midi, elle m'a rappelé en rigolant, bah, elle dit, ouais, bah ça y est, j'ai retrouvé mon écharpe. Ah, bah voilà. Donc, on commence par des tout petits trucs sur lesquels on se dit, ah ouais, ce serait rigolo que ça fonctionne. Des fois, ça fonctionne pas. C'est pas grave, on continue. D'accord? Parce qu'au début, il y a notre subconscient qui va dire, t'arrêtes tes conneries, non, mais c'est quoi que tu es en train de faire? C'est du grand n'importe quoi. C'est ok, d'accord? Parce qu'il y a une partie de notre subconscient qui n'est pas encore trop trop rassurée du truc et que lui, il veut tout maîtriser, voilà. Donc on commence par des petites choses. Donc retrouver tel ou tel truc, etc. etc. D'accord? Et au fur et à mesure, on commence à demander des choses un petit peu plus importantes, des choses qui nous font plus vibrer, qui nous mettent plus en joie, qui nous mettent plus dans cet état de petite fille. Oh ouais, ce serait génial, ce serait chouette, etc. Pour activer les demandes, d'accord? Et les demandes, on les fait à ce moment-là, d'accord? Parce que si on les demande dans ce mode-là, ouais, en fait. Ouais, ce serait bien que l'univers il m'amène ce truc-là, mais alors c'est lourd, c'est pas fun, d'accord? Au début, mes premières demandes, mes tout premiers, quand j'ai commencé à apprendre ces trucs-là, c'était pas fun. C'était des choses qui étaient lourdes, c'était des choses bah parce que j'étais encore fortement en épuisement. Et j'étais tellement dans des difficultés tous les jours, bah, c'était compliqué de connecter à quelque chose de joyeux. D'accord? Donc au début, si c'est des choses que vous découvrez pour les premières fois, alors
Anna, je ne sais pas, Aline, c'est bon, elle connaît, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a Isabelle, il y avait plein de monde qui était connecté. Jessica, oh ben ça, Jessica doit savoir. Je pense que c'est bon, elle connaît. Mais voilà, toutes celles qui pourraient regarder et qui ne connaissent pas. Comment commencer déjà par connecter à quelque chose de joyeux? C'est quoi qui vous met en joie? Ça peut être une musique, ça peut être un film, ça peut être un moment que vous avez vécu, d'accord? La joie, la gratitude. La gratitude, c'est la capacité à être dans un état de remerciement pour tout ce que l'on a déjà. Donc avant de faire les demandes à l'univers, on va connecter à la gratitude. Merci pour ce que j'ai déjà. Merci pour cet ordinateur que j'ai acheté. Merci pour cette connexion qui passe par justement l'énergie, d'accord? Parce que il y a une partie qui passe par des câbles, par des choses matérielles, par les différents points de la box, les relais de téléphone, les boîtes. J'ai travaillé un peu dans ce domaine-là, donc c'est des choses que je connais. Mais il y a aussi une part qui passe dans l'énergétique, d'accord? Qui passe par les satellites. Parce que pour arriver chez Anna qui est en Algérie, bah, faut quand même traverser la Méditerranée. Bon, pour aller chez Aline, c'est un peu moins loin, c'est à Bouguenais, ça passe par le réseau câblé, mais c'est la capacité à dire merci pour tout ce que l'on a déjà, d'accord? Donc, on se connecte à la gratitude, on se connecte à la joie, on se connecte à tout ce qu'on a de bon déjà aujourd'hui, et à ce moment-là, on se dit, ah ouais, ce serait chouette que l'univers, il m'apporte cela. Et là, on peut faire la demande. Et c'est là, évidemment, qu'on va essayer de faire les demandes un petit peu plus précises. Et quand on a quelque chose qui arrive, bah, qui n'est pas exactement ce qu'on voulait, eh ben, c'est là où on peut aller travailler pour dire, ah ok, alors j'avais demandé ça, c'est vrai que je n'avais pas précisé ce truc-là. Ok, je refais une demande à l'univers en précisant un petit peu plus et en vibrant les choses de façon plus puissante. Et au fur et à mesure qu'on s'entraîne à faire ces choses-là, sur des petites choses, sur des choses un petit peu plus grosses, eh ben, au fur et à mesure, ça finit par arriver. D'accord? C'est pas magique. C'est pas. Il y a un côté magique, bien sûr, mais il y a un côté de répétition, de le faire régulièrement et d'y croire. Je suis en gratitude, comparant ma situation en 2020, je venais de créer mon compte Facebook et j'étais dans le doute et dans la peur. Bah, waouh, voilà, super. Voilà, c'est ça. Et tu peux connecter après, Anna, à chaque petite chose qui a évolué depuis 2020. Chaque connexion avec chaque humaine, avec chaque chose qui t'est arrivée dans ta vie, chaque. On connecte à chaque petit truc, d'accord? Et c'est justement, je viens d'échanger avec ma fille parce que l'autre jour, elle me disait, ouais, avec ma grande, tu me dis, ouais, mais de toute façon, maman, elle n'est pas là si j'ai besoin d'aide. J'ai dit, comment ça, maman, elle n'est pas là si tu as besoin d'aide? Elle avait ancré cette croyance et je lui dis, alors voilà, tu vas faire la liste de toutes les fois où j'ai été là pour toi et auxquelles tu as pu penser. Et là, voilà, on a débriefé tout à l'heure, elle m'a ressorti une liste, voilà, puis moi, j'ai rajouté des choses pour changer cette croyance. D'accord? Donc les demandes à l'univers, ben, on peut en faire plein. Et l'univers va aussi des fois nous amener des choses qui ne vont pas être top. Alors, par exemple, quand on va se retrouver avec un accident, on va se dire, ouais, mais j'ai pas demandé ça à l'univers. Non. Personne ne demande à avoir un accident. D'accord? Ou à souffrir, ou à se retrouver handicapé. Ou à se retrouver avec une maladie lourde, invalidante. En fait, c'est l'univers qui va nous mettre ça dans notre vie pour qu'on prenne conscience. Et c'est ce que David Laroche appelle les cadeaux mal emballés. C'est ce que François Lemay appelle, quand ce sont des personnes, des anges déguisés en trou de cul. Ce sont les galères qui nous tombent dessus. C'est le truc qui nous fait chier au début quand ça arrive. Et en fait, derrière ce truc, cette galère, ce problème, il y a un cadeau.
Mais le cadeau, ben, on va pas le voir tout de suite, d'accord? Parce que si on a un accident de voiture, la voiture elle est broyée, on se retrouve à l'hôpital, on va pas dire que c'est un cadeau, d'accord? Mais sur un événement comme ça, il va y avoir un cadeau. Et toute la, comment dire, la compétence qui va être à gagner, à se muscler, littéralement se muscler, c'est où est le cadeau? Où est le cadeau? Et quand on reste, quand on a une galère, quand on reste focalisé sur cette question, où est le cadeau? Où est le cadeau? Il y a un moment où on va dire, oh, ah ouais, c'était ça le cadeau. J'ai eu cette galère-là pour comprendre ça. Et là, ça fait un très grand pas dans la prise de conscience et dans le niveau de conscience qu'on peut avoir. Parce qu'il faut savoir que l'univers, Dieu, les anges, la vie, mettez le nom que vous voulez, il veut notre bien, il veut notre croissance en tant qu'être humain, notre croissance vers plus d'amour, plus de bienveillance vers soi, envers les autres. Il n'a pas envie, il supporte qu'il y ait des guerres, mais pour qu'il y ait des compréhensions. Et c'est tout ce travail-là de transmutation, de transformation que l'on a à faire. Et c'est pas évident, parce qu'évidemment, quand on se prend des galères, on se dit, mais c'est pas possible. Et qui c'est qui m'a dit l'autre jour, ah oui, qui m'a dit, ouais, non, mais j'en ai marre que l'univers m'envoie des galères parce que je voudrais bien une pause. Ouais, ben oui, mais c'est parce que c'est important de connecter à la gratitude. D'accord? L'univers, il envoie, il tape, il tape, il tape, il tape, jusqu'à temps que la personne comprenne, ah ouais, ok. Il faut que je connecte à la gratitude. Il faut que j'apprenne à dire merci pour ce que j'ai déjà. Merci pour ce que j'ai déjà. Et quand on fait ce travail-là de gratitude, eh ben, on focalise sur ce qu'on a et on ne focalise pas sur ce qu'on n'a pas. Parce que les demandes à l'univers, on les fait toujours de façon positive. Si on parle des galères que l'on a, qu'on multiplie les galères, on sème, François Lemay qui dit ça, on sème de la merde, on sème de l'ingratitude, on va dire, ah, oh, mais j'en ai marre de cette galère, j'en ai marre de ça, j'ai marre de ça, etc. On va vibrer sur une fréquence négative et surtout, on va répéter quelque chose que l'univers va entendre, ah, bah, c'est important pour elle, elle n'arrête pas de répéter ce truc-là, donc je vais lui en envoyer plus. Et là, on va râler parce que ouais, mais c'est pas possible, j'ai encore plus de galères qu'avant. Bah oui, mais déjà, premier truc, arrête de répéter les galères que t'as. Arrête d'en parler, arrête de les diffuser, arrête de les vibrer, change. C'est pas évident, d'accord? C'est vraiment pas évident au début, d'accord? C'est un travail à faire en conscience, mental, connecté tous les jours, et c'est faire des nouveaux chemins neuronaux. Donc c'est pas évident. Ah oui, tu m'en as parlé de ça, oui. De ce psychothérapeute ou faux médecin, voilà. Maintenant que tu découvres le cadeau. Voilà, c'est pas toujours évident de découvrir les cadeaux, d'accord? Ça peut te mettre du temps. Et des fois, bah, ça demande aussi d'être accompagné. Parce que, par exemple, moi ou d'autres personnes, hein, d'autres coachs, on va prendre un regard beaucoup plus haut. On va voir la façon, on va prendre un drone sur la situation. Parce que nous, quand on a une merde, on est un peu comme ça. On ne voit rien. On a les mains devant les yeux. Un petit peu comme le chien qui se mord la queue. Il tourne en rond. Et il ne voit pas qu'il y a une porte à l'autre bout, quoi. D'accord? Et on est un peu comme ça. Donc ça va être des fois nécessaire de se faire accompagner pour apporter le truc. Bah voilà la galère que j'ai. Et prendre de la hauteur pour apprendre à regarder qu'est-ce qu'il y a de positif. Qu'est-ce qui existe de positif, d'accord? Parce qu'il y a toujours quelque chose, mais c'est pas évident des fois de le voir, d'accord? Donc c'est vraiment ce travail-là avec l'univers de voir ça. Tous les soirs, j'écris trois événements de la journée où je suis en gratitude. Super, Aline, elle a gardé les bonnes habitudes du parcours des saisons, super. Et voilà, et j'en profite, bah, pour dire, voilà,
quand on est dans un moment d'ingratitude où on est en mode oh, ça marche pas, on râle, ben moi ce que je faisais, ça m'arrive encore, je prends le carnet et je note 50 gratitudes, 50 choses pour lesquelles je suis content. Et si au bout des 50, je suis encore en mode greu, eh ben je continue. D'accord? Ça n'arrive plus, ces trucs-là, d'accord? Parce que je shift, je change très rapidement, ou j'écoute une musique qui me fait changer de vibration tout de suite. Je suis plus dans un niveau bas de vibration comme j'ai pu l'être à certains moments, d'accord? Mais ça se travaille, d'accord? C'est des choses qui se travaillent au fur et à mesure. C'est pas venu comme ça, claque, du jour au lendemain. C'est un entraînement. Donc voilà ce que ça veut dire, faire une demande à l'univers, voilà ce que c'est. Et donc pour celles qui pourraient regarder en replay et qui se poseraient la question, ben n'hésitez pas à me poser les questions, soit en commentaire, soit en message privé, s'il y en a qui veulent rejoindre le groupe des femmes célibataires de plus de 40 ans, mais qui ne veulent pas rester célibataires et qui ont envie de trouver un super chéri. Eh ben, vous en faites la demande en commentaire ou en MP et je vous envoie le lien. Voilà, et justement, je vais aller répondre à la question d'une personne sur le groupe, justement par rapport à ces questions de demande avec l'univers, où elle m'a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est normal? Est-ce que j'ai pas bien fait ma demande si j'étais le résultat? Voilà, donc on va passer sur les questions un petit peu plus personnelles et qui vont profiter à tout le monde. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une très très bonne après-midi, une bonne continuation. Je vais aller déjeuner parce que j'ai préparé le déjeuner en discutant avec ma fille. Et comme j'avais le live, eh bien, je suis venue en live et je vais aller manger. Parce que là, du coup, je commence à avoir un peu des gargouillis dans l'estomac. Bon après-midi, amusez-vous bien, faites bien vos demandes. Et puis on se retrouve demain. Et la thématique demain, alors j'ai mis des thématiques pour la semaine prochaine. La thématique demain, ça va être les 5 blessures émotionnelles, parce que c'est des choses dont je parle régulièrement et pour lesquelles je propose aussi un accompagnement. Donc les 5 blessures émotionnelles, on va voir ça demain. Il y a des personnes qui ne connaissent pas, donc ça va être l'occasion de leur présenter. Merci Aline pour ta présence, merci Anna, merci à celles qui sont présentes, qui restent discrètes, c'est ok, ou discrets, parce que je sais qu'il y a Pierre aussi qui regarde les lives. merci à chacun, à chacune pour votre présence, pour vos interactions, pour vos commentaires. Et on se retrouve demain. Bon après-midi.